de caméra. A priori non. Donc là, je suis sur une propriété privée. Je rentre. C'est impressionnant la taille des locaux quoi. Pas de caméra. Je vais pas trop m'éterniser.
sait jamais. Écoute Guy, c'est pas mal pour une enquête. Hein. C'est pas mal du tout. Bon, en fait, le tout, c'est de rentrer dedans, quoi. Bon, maintenant, ça va être la sortie qui va être compliquée. En plus, il pleut. Donc, le bâtiment... Après, je pourrais marcher un peu plus, mais je sais pas. Si je vais pas me faire cramer, je préfère partir. Je pense que ouais, c'est un lieu qu'il faut faire plutôt à deux. Ici, quoi. Je préfère pas trop me faire cramer. Au moins, déjà, j'ai vu par où rentrer. Maintenant, le tout, ça va être de sortir. Ça va être moins drôle. Moi je l'ai fait. La sortie par contre, putain. Je vais passer par là, je pense. Ah ouais, c'est chaud la sortie. Il y a une baraque à côté, là je me demande si elle n'est pas abandonnée. Ouais, bon, je me casse. Facile d'accès. La pleine vue sur l'hôpital, un petit peu le coin est un peu dégueulasse. Bon, je surveille quand même qui passe pour éviter de. Je sais qu'il y a des contrôles de gardiennage. Bon, c'est surtout les ambulanciers qui passent. On va poser quelques questions. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Enfin, avec moi, parce que je suis toute seule. Vous pouvez parler dans cette matériel si vous êtes avec moi. Y a quelqu'un avec moi? Je suis Sophie. Je viens juste vous passer un coucou. Voir un peu la beauté des paysages. Et vous, quel est votre prénom, si vous êtes là? J'entends comme une cloche. En tout cas, vous avez, vous vivez dans un lieu vraiment magique, très très calme, dans les bois.
Je pense que je reviendrai vous voir. Si ça vous embête, n'hésitez pas à me signaler dans la vidéo, on analysera. Voilà, j'étais juste passée vous faire un coucou. Un peu la hauteur de plafond, c'est incroyable. Incroyable. Donc, je vais sortir, j'ai entendu des gens en oiseau. Voilà. Peut-être un oiseau. Et personne. Absolument personne. Un peu à saut. J'ai cru entendre quelqu'un, mais. Apparemment non. Je fais un dernier tour et je vais y aller. Merci en tout cas de m'avoir accueilli. Donc c'est pas mal pour ici pour une enquête quand même pour quelqu'un seul. Il n'y a pas, d'étage. C'est plein pied. Il y a de ce que je vois aucun risque d'éboulement. Donc pour une personne seule c'est pas mal, en plus c'est vraiment proche de la route, donc c'est facile pour partir. Enfin, le lieu est quand même très emblématique. Hein. Voilà, donc je vais y aller, je vais rejoindre mon véhicule. À quoi ça servait ça? Des espèces de tiges là. Ça par contre, on dirait pour les chevaux peut-être. Non, je sais pas. Voilà, je vais terminer là. De manière à voir s'il y a éventuellement des gardiens ou pas dans le lieu. Il y a quand même du trafic qui commence à arriver, il va être 11h. Donc ouais, je suis venue tout exprès pour pas voir trop de monde. Comme c'est des lieux qui sont très prisés par les urbexeurs. Voilà, j'attends un peu que la pluie se calme et je vais y aller. C'est vraiment magnifique. Je serais bien restée plus longtemps d'ailleurs. Bon allez, je vais y aller. Je vous dis à bientôt. Attendre que la voiture passe pour sortir. Allez, c'est bon, je passe. J'y vais, je sors. Oui, ma voiture. Ok, bon, allez, je coupe. Regardez-moi un peu ce paysage magnifique. C'est top, hein. J'ai du mal à partir même. Vraiment magnifique. Ah, il y a une petite pièce ici, j'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Oh, c'est pas très clean tout ça. Et là ? Ouais, bon, il y a un lit, je pense que quelqu'un a dû dormir ici à un moment ou à un autre. Rien de transcendant, une petite pièce à part. Ça, c'est l'arrière. À l'arrière, il y a aussi un autre bâtiment, je crois. Regardez si je peux rentrer dedans. Non, je peux pas rentrer dedans. Ok. Voilà le type un peu de bâtiment qu'on trouve. D'ailleurs, ça ressemble énormément au sanatorium. Hein. En peut-être un peu plus récent. Bon, tout ça c'est taillé. Le petit morceau de verre bien sympathique là.
super accueil. Et voilà, on s'arrête là, il pleut trop, faut que je coupe. Allez, ciao, ciao. Donc voilà le paysage magnifique qui est juste à côté de l'hôpital et du sanatorium en fait. Un jardin zen. Donc j'attends un petit peu parce que là j'ai vu qu'il y a une ambulance en fait garée juste devant l'entrée du jardin. Enfin, du sanatorium je veux dire. C'est vraiment un lieu de recueillement pour les malades. On va faire un petit tour. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui je suis toute seule. Donc dans ce superbe environnement. Donc qui est situé juste à côté d'un sanatorium. C'est un parc zen, un jardin zen comme on les appelle. Donc, on a encore un hôpital qui travaille en fait. Il y a trois bâtiments principaux, dont un qui travaille encore. Donc je vais essayer d'être très discrète. Afin d'éviter de me faire repérer. Parce que bon, il y a des contrôles de vigile à l'intérieur du sanatorium. Et a priori, ce sont des maîtres chiens. Bon, on va voir ce que ça donne, hein, si je tente ou pas. Je précise que j'ai pas d'autorisation. Donc le sanatorium a été racheté dans le but de faire des logements en fait. Donc comme vous pouvez le remarquer, Guillaume n'est pas avec moi aujourd'hui, malheureusement. Donc on n'est pas en Normandie, hein, je précise aussi. Quelque part en France, mais je tairai le nom de la ville
ainsi que le département. J'ai vu 4 personnes dans le parc, je pense qu'elles sont parties. Donc c'est un endroit très apaisant ici, très boisé, très agréable. Et c'est accessible en fait, il n'y a pas besoin de franchir des barrières ou autre. Bon, c'est un oiseau. Donc voilà. Donc, c'est très joli. Hein. Vraiment magnifique. C'est très très bien entretenu également. On entend les petits oiseaux qui chantent. Donc, je vais faire un petit plan là. Donc le sanatorium qui est situé juste à côté, en fait, a été abandonné il y a à peu près une trentaine d'années. Il a été racheté il y a peu pour une construction de logement en fait. Donc, apparemment, il était accessible, il n'y avait pas nécessité de franchir des barrières ou autre. Mais là, malheureusement, donc j'ai fait un premier pérage il y a environ une semaine. Malheureusement, le lieu est fait de barrières en fait. Il y a une petite brèche dans la barrière, donc j'en ai profité la dernière fois pour faire une petite voilà, une petite contre-enquête, enfin une petite pré-enquête de 5 minutes. Voilà, donc j'ai repéré pas loin par contre une voiture de banalisée avec une grille à l'arrière. Je pense qu'il doit y avoir certainement un maître chien qui tourne aux environs. Alors, je suis très rapide et très très discrète si j'arrive à accéder. Pour le moment, je ne peux pas y accéder. Il y a une ambulance qui est juste devant l'entrée principale. C'est assez calme. Hein. C'est quand même un milieu qui est très fréquenté par les urbexeurs. Mais bon, le matin, on est tôt, il est 10h. Je pense que je devrais quand même pouvoir naviguer tranquillement. C'est vraiment magique. Hein. Vraiment magique, sauf que voilà, je vois qu'il y a déjà des personnes qui circulent. Je pense que ce sont des personnes qui doivent certainement être peut-être à l'hôpital pour se promener. Voilà, il y a 3 femmes qui arrivent là-bas. Donc ne sachant pas trop où elles vont, je vais couper le temps qu'elle passe. Voilà, donc ça y est, je suis sur le site. J'essaie de faire vite de manière à ce qu'on ne repère pas.
suis rentrée dans un bâtiment abandonné. Il n'y a pas de signalisation concernant. Bonjour, il y a quelqu'un ? Donc ce que je disais, il n'y a pas de signalisation concernant le fait que ce soit une propriété privée ou autre. Je me suis dépêchée pour pas que les gens me voient rentrer, les gens qui circulent en voiture. Donc le projet du sanatorium, là, j'ai pas pu aller plus loin parce qu'il y avait un chien qui aboyait. Étant donné que c'est quand même une société de gardiennage qui est affiliée à ça, je préfère faire attention. Voilà. Donc vous me reconnaissez ? Je vous avais dit la dernière fois que je reviendrai vous voir. Je me représente à nouveau, je suis Sophie. Et vous, quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Donc je suis Sophie, enchantée. J'ai essayé d'aller au sanatorium qui est juste à côté, mais malheureusement la tentative a été avortée. Vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît ? Vous pouvez me dire aussi également en quelle année nous sommes pour vous, s'il vous plaît. Nous sommes-nous en 2020 ici? Et vous, en quelle année sommes-nous? J'aurais aimé aussi savoir de quoi vous êtes décédé, s'il vous plaît, vous qui êtes là. De quoi êtes-vous décédé, si vous vous en souvenez ? Également, en quelques mots, si vous pouviez me décrire comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien ?
Est-ce que vous avez également un message à nous faire passer? Je tiens à noter que j'ai quand même bien progressé, malgré tout. Parce que avant, je serais jamais rentrée sur un lieu comme ça toute seule. Mais vraiment jamais, quoi. Et je peux vous dire que le palpitant, il travaille, quoi. Parce que ça semble pas bien grand, mais c'est un lieu qui est super lourd. Et je défie quiconque de rentrer tout seul dans un sanatorium perdu en plein bois avec un caméscope, de rentrer tout seul et de poser des questions comme je le fais. Donc vraiment j'y travaille, je pense que avec le temps je gagne quand même en confiance. Après je pense que la peur n'évite pas le danger, certes. Mais elle permet peut-être quand même de ne pas aller au-delà de ses limites. Voilà, c'est ce que je ne veux pas faire, quoi. Je ne veux pas aller au-delà de mes limites pour le moment. Surtout quand on est tout seul. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez passer devant mon objectif. Vous pouvez parler dans mes enregistreurs. Vous pouvez également me dire à quoi servait cette espèce de petite demeure à haut plafond. À quoi elle servait auparavant? Est-ce que c'était une annexe du sanatorium? Est-ce que c'était une sorte d'accueil? J'ai entendu des voix, donc je vais sortir. Des voix, des chiens. Donc je suis sortie directement. C'est bon, c'est les mêmes gens que tout à l'heure. Bon, c'est les gens qui étaient partis au jardin zen en fait. Et bon, c'est pareil, on sait jamais trop sur qui on tombe en fait. Donc faut rester quand même vigilant. Ça par contre c'est des choses qui me font partir des lieux quand j'entends des gens qui circulent ou autre. Je vais retourner tranquillement à ma voiture. Et je pense que je vais attendre qu'il passe pour revenir. Ouais, je vais attendre qu'il passe pour revenir.
Donc on voit un peu quand même le cadre. Donc ouais, on voit pas mal le cadre qui est vraiment très 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 calme. Donc là c'est la fameuse voiture de... Je pense de surveillance. Ça c'était le lieu où on était tout à l'heure. Voilà. Il y a une porte qui était ouverte, qui n'était pas l'autre jour, il me semble. J'ai pas pensé à aller voir là. Ouais, c'était fermé l'autre jour, ça. Intéressant. La porte est ouverte. Ok. Là-bas, j'ai vu une autre entrée qui a l'air pas mal, que j'avais pas repérée la dernière fois. Ah ouais, non, c'est fermé. C'est fermé, donc ça va pas être possible de passer par là. Bon, je regarde un petit peu comment ça donne par ici. Ah, je vais me retrouver là, je pense. Je vais me retrouver. Donc celle-là, c'est l'arrière du bâtiment. Peut-être que je vais pouvoir passer là. Je sais pas. Peut-être. Mmh. Ah ouais, c'est gore. Ah, il y a carrément... Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est super glauque. Oh ouais, c'est glauque. Allez. Waouh. Bonjour. Intéressant. Une sorte de générateur électrique. Impressionnant le lieu là. Donc ouais, je précise aussi, parce que je fais, c'est pas conseillé de venir tout seul comme ça sur des sites. Donc, toujours de toute façon, quoi qu'il en soit, prévenez les gens quand vous allez comme ça en expédition. C'est important quand même de le dire. Bon, je vais quitter le site, mais avant de quitter le site, je vais appeler quand même le service de surveillance pour voir si, moyennant un petit billet, il y aurait moyen ou pas d'accéder au site sans être stressé en fait. Parce que là, c'est déjà pas des sites faciles, mais si en plus il faut être stressé quand on arrive, voilà, c'est compliqué quoi. Bon, je vais tenter une négociation. Allez. Me voilà revenue sur le site. Je suis passée carrément dans l'hôpital. On m'a envoyée aux admissions, on m'a envoyée à l'accueil.
je suis tombée sur une nana super sympa qui a appelé le responsable de la sécurité. Donc tout ça en interne bien sûr. Donc qui a conseillé de me faire passer par derrière l'établissement de manière à éviter les caméras. Parce qu'a priori ça n'appartient plus à l'hôpital. Mais on me dit aussi qu'il n'y a pas de gardiennage sur le site. Sauf vraiment s'il y a beaucoup de monde vis-à-vis des caméras. Donc je rentre. C'est pas vraiment une autorisation, mais je vais essayer de faire vite quand même. Donc, le chien que j'ai entendu était attelant à la propriété. Après c'est le jeu du chat et de la souris. On gagne ou on perd. Ok, j'arrive au coin de tout à l'heure. Je vais parler tout doucement. Je pense pas qu'il y ait de caméra, j'ai pas vu de caméra ici. C'est bon. On ne pourra pas dire que j'aurais pas fait preuve de courage aujourd'hui. Donc, je vois pas de caméra. Non. Je vais faire un premier repérage. C'est là que j'avais vu une espèce de forme. En fait, je vois toujours pas de caméra. Hop, c'est un oiseau. Deuxième oiseau. Oh, c'est super joli. Après, j'ai pas envie de me paumer. Je vais être capable de me paumer. Par contre, je peux vous dire que je fais pas ma fière. Regarde, il y a quelqu'un, putain. Bon, j'ai vu quelqu'un, donc je fais. J'ai vu quelqu'un. Réfléchis, putain. Je sais pas si c'est un gardien, pas un gardien. Putain, j'ai vraiment pas de peau, là. Mais c'est pas grave. Réfléchis. En tout cas, j'ai pas vu de chien. C'est déjà ça. Mais j'ai vu un mec tout seul et j'ai pas trop envie de le retrouver face à lui toute seule. Donc, je sais pas ce qui est pire. Les chiens, les hommes. C'est quand même compliqué. Ça va quand même être compliqué d'enquêter ici. Putain. Bon, ok. Du coup, je vais peut-être me mettre ici. En plus, on me dit que. C'était. Je vais quand même rester un petit peu là. Ok, où il arrive. De toute façon, si je cours, je vais vite. Putain, mais chier. Ça, c'est le problème, quoi. Alors, j'aurais été deux, j'y serais allé, mais là, je sais pas c'est qui. Je sais pas si c'est pas un squatter, un dealer. J'ai bien envie de faire le tour, mais. Bon, je pense que. Je vais voir, je vais essayer de faire le tour. Après, ça se trouve, c'était une apparition. Le mec, il était pas réel. Oh putain. Ça fait chier. Je pense qu'il faut que je vienne plus tôt sur le site. Ouais, ça fait chier. C'est vrai que c'est quand même super grand. Après, voilà. Mais cette fois-ci, je pars pas en courant. Faut préciser, je vais pas partir en courant cette fois-ci. Ce serait bien par là que je pourrais accéder. Ouais.
Bon, j'ai quand même bien progressé, je pense que je reviendrai. Et là, le fait d'avoir vu ce mec là, ça me dit rien qu'il vaille en fait. Donc, je me dirige à nouveau vers la sortie. Je pense que je vais aller à ma voiture. Ça se trouve, le mec il m'attendait de pied ferme. Il s'est dit, attends, je vais venir la recueillir celle-là. C'est un peu dégueulasse ça. Putain. Ah, j'ai pas de bol. En tout cas, j'aurais tout fait pour. Ouais, je préférerais quand même être accompagnée pour venir ici. Mais j'ai bien progressé, je suis très contente. Voilà. Bon, allez, je coupe, j'arrive à la sortie. We go into a big supermarket and we take in the whole picture, which can be much harder for people with that type of... Makes you very vulnerable, doesn't it, Sally? It can do, yes. Give me a simple task to do with tactile, I suppose, since I've got these rubber gloves on like a surgeon. Okay, well, we've got some jars here in front of you, and I wonder if you... I've left a cup of coffee there. I wonder if you could just pop in that coffee jar for me. Well, that's all the microphone. That's where the phone comes in. There you go. Right.
Thank you.
Thank you.